prison. Cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. Bonjour tout le monde, je vous explique un peu. Donc ces dernières semaines j'étais en vacances et puis à mon retour j'ai eu les allergies qui m'ont pris de plein fouet et puis d'autres petits problèmes de santé qui font que j'étais hyper pas très très bien. Du coup à mon retour j'ai pas fait grand chose, j'ai juste terminé une petite mission mais voilà, pour mes blogs, pour tout ce que pour tous mes projets, bon, j'ai un peu mis tout en stand-by et je sais qu'il faut que je recommence et donc je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu mon retour de vacances. Et là, je m'apprête à faire une petite séance ménage et changement un peu d'environnement. J'ai un peu du mal ces derniers temps à faire des vidéos pour montrer mon quotidien, mais je me rends compte que ce sont les vidéos que je préfère. Donc là, je voulais vous montrer ce que je prends quand je fais une petite pause. Donc là, j'ai mon petit chocolat. Et ici, j'ai ma petite tasse de thé. Et en fait, je suis sur mon lit. Donc ça fait à peu près 2-3 mois que je suis à fond. Et parfois, je me sens overwhelmed, je me sens... Ouais, j'ai comme un peu un trop-plein d'informations et de difficultés. Je sais que pour combler ça, on peut passer par des coachs. Moi-même, je me fais coacher, mais c'est très, très, très compliqué. Parce que voilà, il faut faire tout. Et du coup, de ne pas travailler pendant tout un mois, c'est un énorme manque à gagner. Et c'est dur en fait, parce qu'on se dit que si on fait rien, ben, on n'a rien. C'est super stressant. Je commence à avoir les fameux ghosts, donc des clients qui me contactent, qui me demandent un peu de faire certaines choses, et puis au final, qui ne reviennent plus jamais vers moi. Et ça, c'est super, super frustrant. Ouais, c'est clair que c'est un peu un manque de respect. Je m'y attendais, mais le vivre comme ça de manière aussi récurrente, c'est extrêmement difficile. Et ça fait que c'est difficile en fait de supporter le day-to-day quand il y a des projets qui sont en stand-by ou que tu attends des réponses mais que tu n'as pas de nouvelles. Vraiment, c'est pas évident. Quand on dit que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, c'est pas une blague. Faut pas avoir beaucoup d'ego et il faut savoir mettre de côté tout le temps, tous les jours, et puis se remettre en question parce que tout le temps les gens critiquent ce que vous faites aussi. Et souvent ces critiques sont valides, mais bon, pas toujours. Donc voilà, c'est le jeu. Hein. Dernièrement, dernière news, j'ai enfin créé mon questionnaire pour mon étude de marché. Vous le retrouverez en barre d'infos. J'ai également écrit plusieurs articles au sujet de ce bouquin. D'ailleurs, que j'ai pas encore terminé, mais qui est extrêmement intéressant. Sur e-myth de l'entrepreneur revisité. Je le relis régulièrement parce que ça me donne des idées pour écrire des articles. Et voilà, j'ai aussi bien profité de mes vacances. J'ai écrit un article sur le flamenco parce que je suis partie en Espagne et j'ai découvert les racines africaines du flamenco, ce qui était super, magnifique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à une toute prochaine. Bye bye.